va durer encore longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de mon baptême, que l'on fête dans la nouvelle maison du quartier neuf, les Prats. Mon grand-père vient de l'acheter à crédit. Dans 20 ans, elle sera à nous. Dans le groupe qui pose pour la photo traditionnelle, mon grand-père est celui qui est dans le fauteuil. Et moi, je suis celui qu'on a glissé dans le porte-enfant. Celle qui me tient dans ses bras d'une façon bien précaire, c'est Adelina, la petite nièce de Nuncia, notre bonne, que l'on entrevoit dans le fond, à droite. Ne bougeons plus. La dame aux yeux bleu ciel, c'est ma mère. Avant son mariage, elle étudiait le chant. Alors le soir, ce ne sont pas les berceuses rituelles qui m'endorment, mais les romances et les grands airs d'opéra. Tante Milina, tante Margherita et tante Luisa sont les sœurs de mon père, toutes trois célibataires. Merci. Et voici le docteur Giordani, notre médecin de famille. Célibataire. Mon grand-père, professeur de lettres à l'université de Rome, poète rigoureux et dilettante, farouche détracteur du poète Carducci, dont il se plaît à répéter, le lion républicain est devenu le petit toutou de la reine. Qu'est-ce que tu deviendras, un génie ou un imbécile? Ah, voilà, décidé. Il deviendra un enfant de Dieu. Oh, comme carrière, c'est un peu modeste. Je veux de l'eau. Ça va te rendre malade. Et tu vas avoir mal au ventre, et de la fièvre, et du typhus. Le garçon à qui grand-maman énumère toutes les calamités qu'entraînent les acceptables, c'est l'oncle Nicolino, le frère de ma mère. Il vit à Macerata, il s'est déplacé pour la circonstance. L'enfant qu'Adelina essaie de faire manger, c'est mon cousin Enrico. Lui aussi, il s'est déplacé pour moi. Mais il vit à Rome. C'est le fils de l'oncle Michele et de tante Ercilia, qui, elle, Dieu sait pourquoi, a été surnommée par mes trois tantes les frères Karamazov. Pourquoi ne nous chantes-tu pas quelque chose? Allez, allez, allez. Très bien. Carlo, du germanique Karl, veut dire homme libre. Rappelle-le-lui quand il sera grand. Oui, papa. Et puis, voici mon père, fonctionnaire au ministère de l'instruction publique. Venez par ici, Susanna va chanter. Mais, par nature, il a des goûts artistiques. D'ailleurs, il consacre tous ses loisirs à la peinture. La jeune fille aux fruits. Que le docteur Giordani semble apprécier est précisément son œuvre. Chagrin d'amour.